on te demande de représenter la courbe de cette fonction 2 fois sinus de 1 quart de x moins 1, puis d'exprimer les coordonnées des points, de tous les points où la courbe atteint une valeur minimum, moyenne ou maximum. Alors on va prendre les choses une par une, d'abord représenter la courbe. Et ça, ce qui est pratique déjà c'est de connaître la période, et entre quelle valeur oscille ma courbe, entre quel minimum et quel maximum, et quelle est la valeur moyenne. Alors tu connais bien les paramètres de tes fonctions périodiques, tu sais que ce moins 1 c'est la valeur moyenne. J'ai une moyenne de moins 1, Ensuite, avec ce 2 qui est l'amplitude, je te le rappelle, tu arrives à déduire les valeurs minimum et maximum de euh, ta fonction périodique ici. Pour trouver un minimum, tu sais que c'est la moyenne moins l'amplitude, donc le minimum c'est moins 1 moins 2, c'est-à-dire moins 3, et le maximum c'est la valeur moyenne plus l'amplitude, donc moins 1 plus 2, c'est-à-dire 1. Ta fonction, elle va osciller entre moins 3 et 1, et elle va passer régulièrement par la valeur moyenne de moins 1. Et la période, comment est-ce qu'on la trouve C'est à partir de ce 1 quart qui est à l'intérieur de ta fonction sinus. Tu sais que 2 pi divisé par la période est égal à ce paramètre-là, 1 quart. Donc si je fais un produit en croix, ici, 1 fois p est égal à 2 pi fois 4, ce qui veut dire que p est égal à 8 pi. p est égal à 8 pi. J'ai une période de 8π. Et voilà. Donc je sais que si je veux représenter euh, un cycle entier de ma fonction, ok, ma fonction sur une période entière, je dois aller entre 0 et 8π. Et je sais qu'il va se passer quelque chose d'intéressant à chaque quart de cycle. Et ça, je vais te rappeler pourquoi en te montrant le cercle trigonométrique et en te rappelant comment varie une fonction sinus un sinus atteint une valeur particulière à chaque quart de cycle. Pourquoi et bien Ça vient de cette propriété justement du cercle trigonométrique. Là, je suis sur l'axe des y et je forme un angle x quelconque et je démarre une fonction sinus à ma valeur moyenne. Ici, je suis à mon y moyen. Ça, c'est ma moyenne. Ça, c'est mon maximum. Et ça, c'est mon minimum. Et je sais que la, le, la fonction sinus, elle commence à sa valeur moyenne. Ensuite, quand je fais un quart de cycle, j'atteins le maximum. Quand je fais encore un quart de cycle, j'atteins une nouvelle fois ma valeur moyenne. Puis le minimum. Puis la moyenne une nouvelle fois. Okay Ça, c'est pour te montrer une nouvelle fois que c'est à chaque quart de cycle qu'il se passe quelque chose d'intéressant sur ma fonction. Alors, représentons maintenant notre fonction qui va commencer à sa valeur moyenne parce que c'est une fonction sinus. Donc, elle va commencer à moins 1. Puis, elle va être croissante à ce niveau parce que j'ai une fonction plus sinus. Ici, je pourrais écrire le plus, ici, qui explique pourquoi ma fonction est croissante au tout début. Et donc, elle va croître vers son maximum. Elle va commencer à la moyenne, puis croître vers son maximum. Et son maximum, il est où Il est à plus 1. Il y a un. Donc, ma fonction va ensuite passer au bout d'un quart de cycle. Elle va atteindre le maximum ici. Puis, elle va retourner à sa valeur moyenne. Donc, je vais dessiner cette droite pour bien repérer ma valeur moyenne tout le long de ma courbe. Je vais réatteindre ma valeur moyenne au bout en ajoutant encore un quart de cycle. Et ensuite... Je vais décroître, 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 jusqu'à atteindre mon minimum au bout d'un quart de cycle. Mon minimum, il est où Il est à moins 3. Et donc, ce point va être sur ma courbe également. 6pi moins 3. Puis, je vais Re recommencer à monter. Donc là, j'ai atteint un minimum, je vais recommencer à croître, jusqu'à atteindre une nouvelle femme à valeur moyenne au bout d'un tour complet. Okay, là, la valeur moyenne est atteinte... Au bout de chaque euh, demi-tour en fait. Je fais un demi-tour, je suis à la moyenne, encore un demi-tour, je retombe sur la moyenne. Voilà, donc à chaque fois que je fais un demi-tour ou un tour complet, je réatteins ma valeur moyenne. Et la fréquence à laquelle j'obtiens un maximum ou un minimum, eh ben, tu vois bien que je dois faire un tour complet à partir d'un maximum pour obtenir une nouvelle fois euh, un maximum. Et pareil pour le minimum. Donc voilà pourquoi il y a une période exactement entre deux maximums consécutifs d'une fonction périodique. Voilà, j'ai ce qu'il faut maintenant pour finir de tracer cette fonction sinus. Je vais essayer de le faire du mieux que je peux. Voilà. Et j'ai ce motif qui va se répéter à l'infini pour mes x positifs et à l'infini pour mes x négatifs. Voilà, il faut imaginer que ce, euh, ce cycle ici se poursuit jusqu'à l'infini. Voilà, maintenant que j'ai ma courbe représentative. Euh, je vais essayer de trouver donc les coordonnées de euh, tous mes minimums, toutes mes valeurs, euh, enfin les coordonnées des points où la courbe atteint un minimum, une moyenne ou un maximum. Et c'est l'ensemble de ces points-là, ce qui est un peu un challenge, euh, j'imagine, pour toi, car peut-être que tu n'as jamais fait ça, mais il faut exprimer les coordonnées euh, d'une infinité de points. Alors, comment, quelle notation on va utiliser pour ça Commençons par les minimums. Je sais que j'ai un minimum ici. Donc je sais exprimer les coordonnées d'un seul minimum pour l'instant, qui est à x est égal à 6pi et y est moins 3. Donc 6pi moins 3, ça c'est un exemple de minimum. Mais comment est-ce que je fais pour généraliser, pour aussi parler de tous les autres minimums de ma fonction bah, Je sais que je vais réatteindre un minimum une nouvelle fois lorsque j'aurai passé une période de 8pi, ou deux périodes, c'est-à-dire 16pi. Ou trois périodes, etc., etc. Donc je sais que je peux ajouter autant de fois que je veux, ou soustraire autant de fois que je veux, une période de 8π. Donc l'ensemble de mes minimums, c'est quoi C'est 6π auquel j'ajoute 8 π autant de fois que je veux, donc 8 fois k fois pi, et toujours une ordonnée de moins 3 pour mes minimums. Et ça, je dois rajouter le fait que k est un entier. Relatif quelconque, hein, un entier positif ou négatif quelconque. Je peux rajouter ou soustraire autant de fois que je veux 8 pi. Et voilà comment je l'écris. Je pars de 6π et j'ajoute ou je soustrais autant de fois que je veux 8 pi. Même logique pour les coordonnées de tous mes points où j'atteins un maximum. Ici j'ai un exemple, c'est lorsque x égale 2 pi. et je sais que je peux rajouter 8 pi autant de fois que je veux, donc je vais rajouter 8kπ. Et je sais que l'ordonnée de mes maximums sont toujours à 1. Et ici, encore une fois, K est un entier relatif quelconque. Maintenant, pour ma valeur moyenne, donc là, il faut faire attention. La valeur moyenne, comme tu vois, je l'attends deux fois par cycle, okay une fois au début et une fois au milieu. Donc là, j'atteins ma valeur moyenne au début du cycle, puis euh, au milieu du cycle. Et aussi à la fin, mais la fin c'est le début du prochain cycle. Donc on va, on va juste se concentrer sur le début et le milieu. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ajoute 4π, j'atteins une nouvelle fois une va euh, ma valeur moyenne. Donc, je pars de 0 et j'ajoute autant de fois que je veux 4π. Donc les abscisses de euh, mes points, je peux les représenter par 4 fois k fois pi. J'ajoute autant de fois que je veux où je soustrais autant de fois que je veux 4pi euh, à ma moyenne initiale que j'atteins à, à x égale 0. Et la valeur moyenne, elle est de moins 1. Toujours. Et encore une fois, k est un entier relatif quelconque. Et voilà, j'ai réussi à exprimer cette, les coordonnées de ces infinités de points où ma courbe atteint un minimum, un maximum, ou une valeur moyenne pour cette courbe que euh, j'ai représentée. Sur la base de cette fonction qu'on nous avait donnée, c'est la courbe représentative de la fonction 2 sinus de 1 quart de x moins 1.